Oh bon, bien. Bien le bonjour. Je fais mes pas. Je suis obligée. Non, il passe une nuit blanche. Pour le sang, il faut me la biper ici. Hein. C'est un vieil pot qui ne connaît rien au commerce. Et il faut me biper la gloutte boisse là. Parce qu'elle ne sait même pas les problèmes que Borozang va lui traîner au corps. Ce qu'elle fait là, ça s'appelle de la publicité mensongère. C'est de la pub mensongère. C'est répréhensible et c'est très grave. On est venu me faire un commentaire là, tout à l'heure. Lily, ma collègue de Jacques. Ça allait guetter maman. Colloglutation soigne l'Alzheimer, ça soigne. C'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire. Elle va entraîner cette dame dans des problèmes dont elle ne pourra pas s'extirper. Pourtant, moi, la dernière fois où j'ai eu les infos de ces gens, la dame disait que oui, elle retient vite. Mais si elle retient ce qu'elle est en train de répéter là, ça veut dire que c'est ce que vous dites, madame. Hein? Faut faire attention, c'est pas un médicament. C'est un complément alimentaire, ça ne soigne rien. C'est pas, ça soigne pas. Ça ne soigne pas. Moi, j'avais demandé à mon médecin. Oh, le mot cancer est sorti là-bas. Il faut m'envoyer alors. Qu'elle boive ça pour voir. Ça ne, c'est pas un médicament. Ça se saurait. Ça serait sur prescription médicale. C'est un complément alimentaire. Comme il y en a des millions et des millions. Il y a des millions de compléments alimentaires. Hein, en vente libre d'ailleurs. Pourquoi c'est vente libre? Parce que ce n'est pas des médicaments. Moi, j'ai demandé à mon médecin traitant. Donc, libre à chacun d'aller poser la question à son médecin traitant. Moi, j'ai posé la question. Il m'a dit que l'histoire de stress oxydatif, là, la seule chose que ça puisse soulager, c'est peut-être la fatigue. Et c'est ce que mon médecin traitant m'a dit. Mon médecin traitant. Sinon, moi-même, j'aurais fait mon stock annuel. Et puis ça m'aurait soigné de mes triples cancers dont on m'insulte ici là depuis des années. Oh, moi je ne suis pas fatiguée, je suis rarement fatiguée. Des fois quand je n'arrive pas à me lever, c'est par rapport à mes polynévrites. C'est-à-dire à force de traitements lourds, toutes mes terminaisons nerveuses sont fichues. Donc j'ai mal à toutes mes extrémités nerveuses. Ça fourmille, ça fourmille. J'ai comme des fourmillements qui ne s'arrêtent pas. En aucun cas, ça soigne quoi que ce soit qui a un lien. Par exemple, avec sinon, parce que je suis allée poser la question à mon médecin, honnêtement, parce que j'avais entendu oh, que quelqu'un avait un cancer du cerveau, oh, ça c'est machin. Je n'en doute pas. Hein. Mais je suis quand même allée demander si moi aussi ma part pouvait arriver sur ça. Et mon médecin était formel que non, la seule chose que fait de glutation d'ailleurs, qui n'est pas nouveau, c'est un truc ancien, c'est pas un truc nouveau. Hein. Est-ce que glutation là, c'est breveté par la glutabos? C'est faux. C'est un truc qui est un complément alimentaire qui se vend depuis des lustres. C'est un peu comme les bas topi crème mela là. Vous voyez non? Est-ce que vous savez que topi crème mela? Vous voyez quand moi je pars, quand je finis souvent mes traitements lourds là. Que je sors dépigmenté de partout là. Qu'est-ce qui me repigmente? Non seulement les gouttes là, à prendre, ok, mais tropicrème là, en deux semaines, trois semaines, mon teint, enfin, tout au moins, mon corps redevient uniforme, la couleur. C'est pas du tout un médicament, hein. Voilà. Comment vous venez trouver quelqu'un, elle a son entreprise, vous venez torpiller. Tu vas l'entraîner dans les problèmes. Parce que ce que tu es en train de dire dans tes lives là, c'est faux, c'est des mensonges. C'est pas un médicament, ça ne soigne rien. C'est un complément alimentaire, ça ne soigne pas. Ou ça soigne l'Alzheimer,
Oh, les tumeurs, oh, c'est monté, c'est descendu. Maman, tu as les études cliniques de ça? Comme ça, vous créez vos entreprises, vous sacrifiez vos économies, vous vous investissez à fond et vous partez porter un fardeau qui va venir vous dépasser à domicile. Tous les discours que je viens d'entendre là, c'est vrai ça? Ça soigne quoi? Ça ne soigne rien parce que j'ai demandé. Moi-même ici, là, j'avais déjà donné le nom de mon médecin généraliste. J'avais même fait une capture d'écran. Demandez votre nom. Ce n'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire. Et il m'avait bien expliqué, posément, que la seule chose que, par exemple, ça aurait pu m'apporter, c'est un moins effet moins fatigué. Mais sauf que moi, je suis rarement fatiguée. Hein. C'est pour ça qu'il m'a dit que ça ne me sert à rien d'en prendre. Moi, j'avais demandé. Vous croyez quoi? Qui a envie de mourir? Personne ne veut mourir. Hein? Moi, j'ai entendu que les gens étaient sortis, condamnés à mort, je ne sais pas quoi. Mais après, leur santé s'est améliorée d'un coup. Monsieur, c'est parti demander ma part. Si moi aussi, je pouvais sortir des traitements lourds. Et il a été formel. Et depuis 2017, quand je suis revenue en France, c'est mon médecin traitant. J'ai jamais changé, je vagabonde pas. Non, il connaît mon état de santé par cœur. Il m'a bien dit qu'en dehors de fatigue, or moi je ne souffre pas d'effet de fatigue. Ça ne va rien m'apporter de plus, d'avantage. Voilà. Et j'ai même commandé, hein, c'est là-bas. Attendez, dès que je bats quand même, vous allez voir, je vais vous montrer le bidon là. J'ai commandé à l'adresse de ma soeur, puisque ma soeur est mariée. C'est pas son nom de jeune fille, c'est pas Angoula qui figure ces trucs. Ça a été livré. Donc du coup, moi, quel intérêt alors de prendre ça? Je ne dis pas que ce n'est pas efficace, que ça ne soulage rien. Mais ce que Borosang est en train de raconter là, oh, que ça soigne là, ça ne soigne pas. Ce n'est pas un médicament. Ça ne soigne pas. C'est un complément alimentaire. Ça ne soigne pas. Elle va entraîner la pauvre dame d'autrui dans les problèmes. Parce que ce que vous faites là, c'est en live. Hein. Comme ça que je parle soit ma part. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est en direct. Hein? Voilà. Et les vidéos là, tout le monde prend. Ça part partout, partout, partout. Voilà. Même en pharmacie, vous trouvez des compléments alimentaires. Ce n'est pas parce que quelqu'un vend ça en pharmacie que c'est un médicament. C'est faux. Ça ne soigne rien du tout de toute la liste qu'elle a dit là. En tout cas, je n'ai pas Alzheimer. Donc, du côté d'Alzheimer, je suis honnête, je n'ai pas posé la question. Moi, par rapport à mes pathologies, j'ai demandé à mon médecin si ça pouvait m'aider. Il m'a dit non. Mais peut-être simplement parce que moi, il m'a dit que le seul, tout le stress oxydatif, machin, que c'était, oui, si j'aurais eu des effets de fatigue. Sauf que moi, je ne suis jamais fatiguée. Au contraire, je suis hyperactive. Moi, il faut que je bouge. Je suis rarement fatiguée. Même quand je suis chez moi, il doit tourner en rond. C'est pour ça que finalement, je n'en ai pas pris. Mais quand je vais back là, je vais vous montrer. Avec la date de commande, vous allez voir. Moi, je ne vous mens pas. Parce que je lui avais posé la question. Mais quand il m'a dissuadé, ça me sert à quoi de prendre quelque chose que je ne peux pas boire. J'ai fait livrer ça chez ma soeur à Bordeaux. Puisqu'elle est mariée, personne ne connaît son nom d'époux. Donc, Borosangi, tu vas entraîner la femme d'autrui dans les problèmes. Et moi, je dis ça. Bororo. À la lue où tu vas là, elle aura des problèmes. Ah oui, oui. Oh, ça soigne si, ça ne soigne pas. C'est pas un médicament.
Donc déjà, le mot ça soigne, il faut arrêter. Tu arrêtes ça. Ton argumentaire là, tu changes. Moi, cette dame-là, je n'ai jamais entendu dire que ça soigne, si, ça soigne. Elle avait dit qu'elle a des expériences de quelqu'un qui avait fait. Je n'ai jamais entendu dire le mot ça soigne. Pourquoi toi tu dis que ça soigne? Il faut arrêter. Elle va se retrouver. De toute façon, moi quand même. Allez, bouffez-vous là-bas comme les requins. Je m'en fous. Quand même là, depuis hier là, ça n'allait pas. Aujourd'hui là, repos. Rien fichu de ma journée. Est-ce que quelqu'un me gère? Donc, ça ne soigne rien. Moi, je vous dis ça. Ça ne soigne pas. Ce n'est pas un truc de soin. Le mot soigner, ça porte. Ça, c'est son nom. Soigner. Guérir. Ça ne guérit pas. L'augmentation, le glucosimal, je ne sais pas quoi là. J'étais allée avec la publication de la. J'ai montré ça à mon médecin. Et je vous invite à faire la même chose. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose de bien. C'est un complément alimentaire. La preuve, il m'a dit que j'aurais été fatiguée tout le temps. Ben, il m'aurait dit d'en prendre. Voilà. Il m'aurait dit d'en prendre. Mais ça ne soigne rien. Oui, Tina. Ok. Donc, ça ne soigne rien. Ça ne soigne pas, en tout cas, ça ne soigne pas les pathologies qu'elle a citées là. Les Alzheimer, les machins. De vous à moi, avec tout ce que les malades d'Alzheimer coûtent à la sécurité sociale en France, il y aurait la solution, ça serait le glutathion. Attendez. On leur aurait donné ça. Hein? Vous croyez quoi? Elle va entraîner la forme de. Moi, je n'ai jamais entendu cette dame dire que son glutathion, c'est l'hypo machin là, soigne quelque chose. Hein? Donc, elle a vérifié l'argumentaire de sa représentante commerciale, qui d'ailleurs n'en est pas une. Qu'elle aille donc vérifier l'argumentaire, c'est pas au point. Hein? Oui, elle a tout entendu, tout ce que j'ai dit. Je vous ai déjà dit que cette dame, c'est un perroquet. Prosang, c'est le perroquet. Hein? C'est un profil psychologique. Ça s'appelle comme ça. C'est des gens, tu dis quelque chose à côté, elle va répéter, mais sans véritablement comprendre le sens. On ne comprend pas. C'est pour ça qu'elle a réussi à embobiner les gens ici en se faisant passer pour une intello. Elle répète. Comme un robot. Elle a une je pense qu'elle a une excellente mémoire auditive. Elle retient. Ce qu'elle entend, elle retient. Mais sauf qu'elle ne sait pas le replacer comme il faut. En tout cas, je tenais à vous dire que ça ne soigne pas. Ça ne soigne rien, ce n'est pas un médicament. Et mon médecin avait été clair. Ça aurait été un médicament qui soigne tellement de pathologies qu'on nous dit ici. Attendez, la sécu, ils sont fous. Moi, chez moi, en France, j'ai toute une pièce. Un genre de séchant. Que si tu es fatigué, voilà, ça rebooste. Mais comme moi, je suis rarement... Au contraire, j'ai un trop plein d'énergie. C'est pour ça qu'il lui m'a dit que ça ne me sert à rien. Mais je ne dis pas que ça ne sert à rien à tout le monde. Hein? Comme je sais que vous déformez souvent les choses que les gens disent. Il m'a dit que, par exemple, à moi, ça ne me sert à rien puisque je suis pas fatiguée. Je n'ai pas, dans tous les trucs dont je me plains, il n'y a pas la fatigue. D'accord? Donc, Borosangi, tu vas amener la femme d'autrui en prison. Oh là là, qui c'est qui m'appelle? Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Moi, je ne décroche pas. Donc, c'est ce que je voulais dire. Hein. C'était pour aller vite. Sinon, j'aurais fait un post. Je passe ma journée à écrire. Personne ne me paye même dans tout ça. Je n'ai pas les étoiles. Sinon, envoyez-moi les étoiles. Ok? Ça ne soigne rien. Moi, je vous dis ça. Sinon, si vous ne me croyez pas, demandez à votre médecin. C'est juste un complément alimentaire.
C'est un petit peu comme machin Vela, là, Mela, là, que je vous ai dit là. La plupart des Africains, elles s'en servent, mais c'est juste pour se dépigmenter la peau. Ça décape. Un peu comme Topicrème Mela. Topicrème Mela, c'est 19 euros, je crois. En parapharmacie. En fait, ça unifie. Moi, quand je sors, soit vous me voyez, soit non. Je sors, mon visage, genre partout, partout, partout. Moi-même, je filme, je mets. Quelques semaines après, c'est déjà uniforme. Topicrème Mela, 19 euros en parapharmacie. Allez-y, vous regardez. Ou alors demandez à votre médecin. Donc, elle arrête. Elle va entraîner la femme d'autrui dans les problèmes. Avec ces histoires, que ça soigne, ça soigne. La publicité mensongère est interdite en France. Voilà. Et comme vous faites, vous passez le temps à vous attirer que des inimitiés, là, quelqu'un va appeler FC que choisir, là. Qui va venir regarder le live. Tu as les bidons sont devant. Rappel visuel. Tu peux me parler d'un truc qu'on ne voit pas. Tu parles d'un truc qu'on voit, là. C'est devant. Rappel visuel. On a déjà parlé de ça ici. Mais comme personne n'écoute, quoi me fait même? Allez, je vous laisse. Je suis fatiguée.